Bonjour les garçons! Bonjour maman! Comment ça va aujourd'hui? Très bien! Vous êtes où aujourd'hui? Parce qu'on n'a pas l'air d'être chez nous là. Non, on est à Lyon! Oui, on est en vacances de Pâques! Oui, nous sommes en vacances. Et donc nous passons une petite semaine à Lyon. Ouais. Et ben après en Suisse. Et après nous allons en Suisse, oui. Donc du coup, nous sommes dans un petit appart hôtel. Et nous en profitons pour faire une petite vidéo. Nous avons vu en fait une vidéo... Oui, on est au cinquième étage, Cody, merci. Nous avons vu une vidéo comme ça avec des ballons, donc nous avons décliné un petit peu. Alors nous, aujourd'hui, on va faire une vidéo. Alors, est-ce que vous avez compris le principe, les garçons? Oui, oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, c'est... Là, il a marqué des magasins dans le ballon. Alors, on sait pas ce que c'est marqué. Les magasins, on sait pas c'est quoi. Ouais. Parce que nous, on voit en fait, la bête en attendant. Là, on va... Après, on va prendre les fléchettes pour tirer dans les ballons. Et puis après, on va voir ce que c'est dans, comme magasin. Et puis après, ce sera eh bien. En sous. Donc voilà, c'est très bien, Cody, tu as très bien expliqué. Donc on va faire cette vidéo en deux séries. Une première série de ballons qui est accrochée là, dans lesquels se trouvent des magasins mystères. Donc je vais vous... Oh, d'ailleurs il y a un ballon qui tombe, on va le raccrocher. Donc en fait il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ballons. Donc dans chaque ballon un nom de magasin. Alors je vais vous dire quels sont les magasins qu'il y a quand même dans les ballons. Mais vous ne savez pas quel magasin se trouve dans quel ballon. Ça c'est la surprise. Nous on l'avait déjà vu, on savait pas c'était dans quel ballon. Bah voilà, c'est papa et maman qui ont préparé. En plus, on a dans la même couleur, donc... Pendant que les garçons jouaient un petit peu à leur tablette. Donc du coup nous avons préparé ça. Et dans la deuxième série... Encore un qui est tombé. Oh là 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 là. Dans la deuxième série, donc là, dans la deuxième série de ballons, et ben en fait il y aura le montant. Le montant qu'on devra dépenser dans le magasin trouvé. Alors, vous êtes prêts pour la liste des magasins qu'il y a dans les ballons, les garçons? Oui! Alors, dans les ballons se trouvent les noms de magasins Fnac, Zara, Emma, Claire's, Tape à l'œil, Micromania, ouais. Courir. Oui! Un magasin de bonbons. Ouais! Et McDo. Oui! Courir où? Courir où? Mais non, mon cœur. Courir, c'est le nom d'un magasin de sport. Ah! Courir. Donc voilà, donc tous ces magasins. Donc j'ai senti que la fin de la liste était plus. Plus réjouissante que le début, apparemment. Oh! Et donc dans la deuxième. Ah, c'est pas grave. Dans la deuxième série de ballons, il y aura... Vous écoutez? Oui. Alors, dans un ballon seulement, 50 euros. Ouais. Deux ballons avec 20 euros. Cool. Trois ballons avec 10 euros. Ça peut être bien. Et trois ballons avec 5 euros. Ça peut être... Ça peut être nul. Donc... Du coup, nous allons faire la première série et ensuite la deuxième. Alors, Tino, quel serait ton magasin favori? Vous savez, je suis un gourmand. Magasin de bonbons? J'adore manger moi. McDo? Oui. Lenny? Micromania. Et Cody? Magasin bonbons. J'adore. Bon, alors c'est parti pour ce premier tir. À moi. Alors, Cody, tu es en place, ça y est? Oui. Tu es prêt? Oui. Alors, vas-y, je te regarde. Ah, recommence. Alors, voilà, Cody, du coup, on l'a pas mis trop près non plus, mais par contre, il a le droit de recommencer tant qu'il crève pas de ballon, hein, forcément. Oh, presque! Vas-y, petit allez, chat. Allez, allez, j'étais au rose comme ça. Ouais, vas-y, mon petit cœur. Oh! C'est bien. C'est bien, mon cœur, continue. Ouais. Alors va chercher le petit morceau de papier et tu me le ramènes pour que je te le lise. Sauf si tu sais ce que c'est. Claire. Claire's. Ah bah remarque, il y a plein de petits accessoires, tu sais, avec les petits chiens et tout là, t'aimes bien ça?
Ça peut être mignon, ça. Bon, alors, Cody Clairs. Ouais. Super, bon, t'es content? C'est trop bien. C'est bien, mon cœur. Alors, donc, on fait la première série déjà de ballons et ensuite, tu feras le montant. Alors, viens par là maintenant à Tino. Vas-y, Tino. Alors, attention, Tino. C'est parti. Avec mes super forces, j'ai éclaté un ballon. C'est bien, mon cœur. Vas-y, Tino. Ouais. Oh, il en a éclaté deux. Vas-y, Tino. Bah du coup, bah tu... Alors, bah les deux magasins. Je sais pas si... Oui, ouais, vas-y, allez, les deux magasins. Tape à l'œil. Et... Et je vois... On a vu, ça a l'air bien. C'est quoi? Courir. Alors, montre-moi. Montre-moi quand même, je veux la preuve, hein. Alors... Tape à l'œil. Tape à l'œil. Courir. Et... Courir, waouh! C'est bien! Eh ben dis donc! Alors, ça c'était inattendu quand même! Sinon, il aime bien les magasins de sport! Voilà! Alors, Aléni, attention à toi, mon petit chat! Non, Aléni, Aléni, t'es trop près là! Ouh. Non, mais puis quoi encore? Ici? Ouais, allez, c'est bon, vas-y! Ah! Ah non, bah non, ça compte pas! Hein. Il est pas éclaté, ça compte pas! Sinon, eh ben, il prend quand même! Non, 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 il faut que ce soit éclaté! Allez, c'est parti! Léni, il est où ton petit bout de papier? Alors viens me montrer, Léni. Attention. Un micromania. Micromania. Un micromania. Super. C'est le truc que je voulais avec le magasin de jeux vidéo. Bon bah super. Alors attends, parce que maintenant le montant, parce que si t'as 5 euros chez Micromania, tu vas pas avoir grand chose, hein. Bon alors on va voir les montants. Allez, c'est parti, on passe à la deuxième série. Alors, la deuxième série est prête. Cody, es-tu prêt? Alors, je veux dire un truc. Vas-y. Moi, je vais faire un défi. Je vais essayer de tirer les yeux fermés. Bah ouais, vas-y, si tu veux, mon cœur. Il se lance ses propres défis, c'est parfait. Vas-y, mon chaton, je te regarde. Alors, c'est pas forcément évident, du coup, les yeux fermés. Voilà. Tu peux jeter plus. Tu peux jeter beaucoup plus fort. Alors vas-y, va chercher ton petit papier. Alors... Moi je sais lire les sous. Tu sais lire les sous? Alors attends, prends le de l'autre sens. Non attends, il est de l'autre sens, non, de l'autre sens, comme ça. 20 euros. 20 euros? Ouais. T'es content? Oui. Ouais, super. Bon, c'est bien. Alors attends, je raccroche le petit ballon rose. Du coup, on va le mettre ici. Hop. Je l'ai fait tomber. Voilà. Alors, ça va être maintenant moi. Ah, Tino, alors attention, mon Cody, pousse-toi, mon lapin. Alors, Tino, t'es prêt? Oui. Allez, c'est parti, mon lapin. Ah. Alors, attention. Oh. La dernière fois, je prends lui ou lui, les copains. Ah, Tino, il a repéré des ballons qu'il avait envie, d'accord, ok. Oh. Alors, ça, c'est souvent ça, hein. Quand on a envie de tirer sur un ballon, on n'y arrive pas en fait. Et quand bah, on n'en a pas en tête, et bah, on y arrive. Oh. Alors Tino, qu'est-ce que ça donne? 50 euros. 50 euros? Ouais, c'est la fête. Alors toi, c'est chez... Ah oui, en plus, ça dure, t'as deux magasins toi. Donc ça veut dire 50 euros chez Tape à l'œil et 50 euros chez Courir. Ouais. Ah bah d'accord, ok. C'est la fête. Bon bah ok, super. Alors attention mon Cody, pousse-toi. C'est un prank. Alors on se met en place pour Léni. Alors Léni, j'ai raccroché le ballon rose. Est-ce que tu es prêt? Oui. Allez, c'est parti pour Léni. Oh. Dans le trou. Attention. Oh. Eh bah dis donc, ce ballon rose, il a pas de chance décidément. Ouais, vraiment. Wow. Léni. Oh, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe chez Léni aujourd'hui? Ah, le verre. Alors, Léni, combien as-tu récolté? 10. Attention, euros. 10 euros. Bon, t'es content?
T'auras quoi du coup pour 10 euros? La moitié d'un jeu vidéo. La moitié d'un jeu vidéo, c'est parfait. Bon bah alors on va passer au shopping. Oui. Vous êtes prêts? Oui. Bon bah c'est parti, allez, on va dans Lyon. Allez, c'est parti, shopping. Alors, je suis arrivée à Claire et je vais choisir ce que je veux. Donc t'as combien toi? C'est quoi ton budget? 20 euros. 20 euros. Alors c'est parti, on va dans Claire's. Allez les copains. Alors Cody, qu'est-ce que tu as trouvé chez Claire's du coup? C'est le chien que je suis sur Instagram. Et oui, c'est vrai, c'est le chien que Cody suit sur Instagram. Il s'est abonné à ce petit chien. C'est Doug Pug, un truc comme ça. Donc tu veux prendre ça du coup? Bon bah super, allez on prend ça. Bah oui, Cody il adore les chiens. Oui, c'est parfait mon cœur. Allez, on passe en caisse? Allez, c'est parti. Alors là, on est arrivé à Micromania. Et oui, nous sommes à Micromania. Donc Lenny, tu as combien de budget? 10 euros. Alors qu'est-ce que Lenny va pouvoir trouver pour 10 euros? On va voir. Allez, on va chercher. Ou alors une petite licorne. Allez, on cherche. Alors Lenny, est-ce que tu t'es décidé sur quelque chose? J'ai pris un super lama. C'est le lama de quoi ça? Parfait. Eh oui. Alors montre le prix, c'est bien 10 euros. 9,99€. Bah tu vois, tu comptes fait, t'as quand même trouvé quelque chose qui te plaît. À mon avis, tes frères vont vouloir te le shipper, tu crois? Allez, c'est parti, on passe en caisse. Alors ça y est les garçons, nous sommes rentrés de nos achats. Oui. Oui, super. Alors donc désolé, en fait nous n'avons pas pu filmer Tino parce que la boulette, je n'avais plus de batterie sur ma caméra. Donc au moment d'arriver chez Courir et Tape à l'œil, et je n'avais plus de batterie. Donc du coup, Tino a fait ses achats quand même, hein, je vous rassure. Et vous allez voir tout ici. Donc en fait, les garçons ont fait leurs achats, chacun à leur tour, avec moi. Pendant que Lenny est avec moi, Tino et Cody sont restés avec papa. Pendant que Tino est avec moi, Lenny et Cody sont restés avec papa, et ainsi de suite. Donc du coup, ils ne savent pas ce que leurs frères ont acheté. Donc c'est la surprise. Moi. Bah tu sais ce que t'as, c'est normal, c'est toi qui as choisi. D'accord. Acheter des surprises, Lenny et Cody. Et oui, ouais. Tino, il a été super généreux parce qu'il m'a dit. Alors Tino, on a commencé le premier magasin et il m'a dit, maman, comme moi j'ai eu deux magasins et que Lenny et Cody ils ont que un magasin et en plus j'ai eu 50 euros par magasin, et je vais leur faire un petit cadeau. Oui. J'ai dit bon écoute comme tu veux mon cœur, c'est toi qui choisis. Parce qu'ils pouvaient pas acheter deux trucs. Donc, alors, du coup, Cody, tu étais le premier à jeter les fléchettes. Donc, tu as été chez Claire's et tu as trouvé ton bonheur? Oui. Alors, montre-nous ce que tu as acheté chez Claire's. Non, je n'y arrive pas. Fermez vos yeux. Attention. Regardez ce que je vais faire. Tadam! Wow, trop beau ton chien, c'est Cody. C'est Doug the Pug. C'est Doug the Pug. Et vous vous rappelez? Oui. On le voit où? On le voit où ce chien? On le voit sur Instagram, il fait plein de photos rigolos. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est la fiche. Donc voici le petit chien de Cody. Voilà. Alors ensuite, Tino. Alors. Donc on a mis tout dans le même sac, Courir et Tape à l'œil. Alors tu sors en premier Tape à l'œil ou Courir? Bon Tape à l'œil. Alors, déjà je me suis acheté deux jeans. Non, c'est pas trop grand, c'est sa taille. Donc Tino il s'est choisi deux jeans. Voilà, des jeans basiques. Voilà, jeans, voilà. Puis, des jeans. Alors vu Cody il voulait des chaussures, je les avais vues à Tape à l'œil à Dieppe parce que là on est à Lyon. Donc j'ai des jeans, on va lui donner les chaussures qu'il voulait. Et voilà. Ouais. T'es content Cody? Ouais, il est gentil Tino, il a pensé à toi parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais dans le haul, la vidéo de Maman fait notre shopping, je les avais achetés pour Tino et Lenny. Et Cody, quand il les a vus, il les a voulu aussi. Donc là, Tino, il a dit, comme il y a sa taille, je les prends. Et tu peux faire un gros bisou à ton frère, Cody, hein. Regarde mon collier. Fais un gros bisou à Tino, il est super gentil. Alors c'est quelle taille? Quelle taille tu mets, toi? Montre-moi. Mais attends, je vais voir. Mais du
25. Eh oui, du 25. Tadam. Et puis, on va voir. Alors, ensuite, donc ça, c'est chez courir. Donc d'abord. Et ensuite. Lily. Non, ça, c'était chez tape à l'œil. Et ensuite, chez courir. Alors, Lily, toi aussi, je te fais une surprise. Je t'ai acheté un t-shirt. Alors attention Lenny, ferme tes yeux. Attention. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux Lenny. C'est quoi? C'est quoi? Ouais, un t-shirt trop beau. Trop. Bah alors montre-moi le parce que là je le vois pas. Hein. Tu le fais en boule mais du coup je le vois pas. Alors à l'endroit, vas-y montre. Ouais, un t-shirt Fila. Est-ce que tu aimes? Oui, alors ensuite Tino, qu'est-ce que tu as acheté d'autre? Aussi, une surprise encore pour Cody. Eh ben dis donc, il en a de la chance ce Cody. Un t-shirt aussi. Un t-shirt aussi? Ah, le même. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Bah voilà, et toi, tu t'es acheté quoi pour toi? Un t-shirt aussi. Eh ben dis donc. Trois les mêmes. Les trois mêmes, bah dis, tu les aimes tes frères, hein. Ah bah ça va faire des jolies photos ça, dis donc. Ouais, oui, Tino il aime bien quand ils sont habillés tous les trois pareils, les garçons. Shopping. Et en plus comme ça le maître pourra se tromper. Ah coquin. Allez, on mettra pas les mêmes pour aller à l'école hein, parce que le maître il veut pas que je vous habille pareil. Ça fait beau les copains. Ah bah carrément, hein. Trop la classe. Bon, super Tino, super shopping. Alors Lenny et toi, qu'as-tu acheté à Micromania avec tes 10 euros? As-tu trouvé ta moitié de jeux vidéo? Regardez, bon, à mon avis, il aime bien Fortnite. Attention. Lama. Ah. Le lama de Fortnite, ouais. Attends, il va y arracher les oreilles. Et oui, le lama de Fortnite. Et donc Lenny il a pas dépassé son budget parce qu'il était à 9,90 ou 99, je sais plus. 99. 99. Et le monsieur il a enlevé le prix je crois. Et donc voici le lama de Fortnite. Mais c'est vrai qu'il est mignon hein. Ouais. En plus avec plein de couleurs. Ouais, il est joli. Bon alors les garçons. Et quand on le casse il a plein de balles. Alors ça je sais pas. Alors les garçons, est-ce que cette journée shopping et cette vidéo vous ont plu? Oui. Oui, super. Bon, vous avez été gâtés du coup, hein. Oui. Et puis merci à Tino parce qu'il a fait des cadeaux à ses frères. D'ailleurs, Lenny, t'as pas fait de bisous à Tino pour le remercier. Fais-lui un gros bisou. Je savais qu'ils aimaient bien cette marque. Ouais. Bah, s'ils veulent, bah pourra leur donner. Leur prêter ton lama? Oui, même leur donner. Ouais, t'es gentil. Bon, super les garçons. Alors, on va pouvoir dire au revoir aux copains. Au revoir les copains. Surtout. Allez, gros bisous à tous. Gros bisous. Pensez aux surprises. Allez, gros bisous. Les surprises. Oui.